a eu l'idée il y a un an et demi, en fait, une idée complètement folle de regrouper une dizaine, une vingtaine de sociétés nationales avec des représentants jeunes pour parler d'inclusion sociale auprès de trois types de publics: la migration, les publics migrants, les publics personnes en situation de handicap et le public des personnes âgées. Ça m'a conforté dans l'idée que les jeunes sont aujourd'hui force de proposition sur des thématiques, sur des projets innovants, sur des engagements. Les jeunes prennent position. Sur trois matinées de la semaine, on a réalisé des ateliers en petits groupes de brainstorming, un petit peu pour réfléchir ensemble sur des solutions, sur des projets qu'on pouvait mener avec les trois publics qu'on a rencontrés dans la semaine. Donc, le vendredi matin, ça a été l'aboutissement en fait de toutes ces matinées de travail, puisqu'on a présenté ce qu'on a appelé la production collective. C'était du coup de construire un peu une vision commune de tous les bénévoles qui étaient présents sur le séminaire, de 10 nationalités différentes européennes, autour de la définition qu'on a tous un peu fait naître de l'inclusion sociale. So this afternoon we've had workshops with elderly people. I thought it was great. It was good to see how other people do it. It was good to see the Red Cross on the front line, because in the UK we don't have Red Cross led care homes for people. So I think it was good to see the work everybody was doing here, and the fact that the Red Cross were the ones pushing it. J'ai jamais eu l'occasion ni la chance d'assister à une présentation de personnes en situation de handicap. Les gens ont tendance à avoir des préjugés, que ils disent que les personnes en situation de handicap ne sont pas capables de faire des présentations, ne sont pas capables de faire des trucs ordinaires, quoi, des trucs de tous les jours. Vraiment là, ça change les mentalités, c'est important. It's been good to meet people from other societies. They're all crazy. Yes, I love this experience, and maybe this is the most beautiful experience in my life as a volunteer at Red Cross. Wow. So thank you. It was really lovely experience. How many worlds must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must a cannibal fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is